Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, salut. Ce soir, bien sûr, nous allons parler de sport. Il n'y a pas meilleur que mes invités de ce soir pour parler de sport. C'est deux messieurs qui pratiquent le sport depuis leur bas âge, depuis leur enfance. Ils sont experts spécialistes en matière de sport. Les yeux fermés, ils peuvent vous décrire toutes les lois, toutes les procédures sportives, surtout en matière de football. En l'occurrence, M. Ibrahim Bamba, qui est le président de la représentation de la FIMADA. Il va nous dire tout à l'heure c'est quoi la FIMADA. Il représente la FIMADA au niveau des USA et du Canada. Et accompagné, nous avons M. Ibrahim Koné, qui est le vice-président chargé de la logistique et de la trésorerie de la FIMADA USA Canada. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, nous allons parler de sport. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne m'y connais pas assez. Vous êtes les experts en sport. Mais vous allez nous donner beaucoup plus de détails. Monsieur le Président, je commence par vous. Alors, bonne arrivée sur le plateau des sports d'Ivoire TV, un plateau que vous connaissez très, 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 très bien. Alors, je crois que vous avez un événement, un grand événement qui arrive ici, bien sûr, au niveau de New York. Donnez-nous un peu quelques détails. Qu'est-ce que c'est au juste? Comment préparez-vous cet événement? Quand est-ce que cet événement a lieu et qui sont ceux qui vont participer à cet événement? Voilà, merci Monsieur Germain Kouassi de m'avoir donné l'opportunité de revenir encore sur Ivoire TV pour pouvoir donner un certain nombre d'informations concernant nos activités au niveau du sport. Vous avez dit tout à l'heure FIMADA. FIMADA, c'est simple, c'est la Fédération Ivoirienne des Maracana et Disciplines Associées. Et le Maracana, aujourd'hui, pour tout Africain et tout Ivoirien, on sait de quoi il s'agit. C'est le football aussi, espace réduit, qui se joue généralement sur un terrain d'handball. Donc, nous sommes là pour parler un peu de cette discipline-là. On a été nommé là-dessus-là peut-être 2 ans. Nous avons essayé de former une équipe dynamique pour pouvoir faire la promotion de cette discipline au niveau des États-Unis et du Canada. Ça, il faut le préciser. Donc, ce soir, nous venons pour dire à tous nos compatriotes, même à toute la diaspora africaine, que nous avançons doucement et sûrement et on a jugé nécessaire de faire un mini tournoi pour une manière de montrer aux uns aux autres tout le travail qui a été fait depuis Belle Lurette. Voilà un peu un aboutissement et compte tenu de nos activités que nous faisons un peu en salle, il y a de cela peut-être 6 mois, on a pu avoir une salle du côté de l'Académie Frédéric Douglas sur la 7e à la 150. On a jugé nécessaire d'inviter les gens pour qu'ils viennent voir réellement de quoi il s'agit, qu'est-ce que le Maracana. Donc voilà un peu l'objet de notre visite ce soir-ci sur Ivoire TV, une manière d'expliquer aux uns aux autres que le Maracana existe bel et bien ici et que nous sommes en train de travailler dans ce sens pour faire la promotion de cette discipline. Et je rappelle à tous ceux qui veulent le savoir que le Maracana est une discipline créée par les Ivoiriens. Aujourd'hui, le Maracana n'est plus en Côte d'Ivoire. Le Maracana a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a une Coupe d'Afrique ce jour. L'année dernière, j'étais témoin oculaire de cette 4e édition de la Coupe d'Afrique du côté du Togo, où il y a eu l'Assemblée générale consécutive de la création de la Fédération internationale de Maracana. Tout à l'heure, je vais expliquer un peu qu'est-ce que la Fédération internationale de Maracana et discipline associée. Mais l'objet de ce soir, c'est de parler de notre mini-tournoi au niveau de New York pour dire que la représentation se porte très bien, nous avançons dans tout ce que nous faisons. Voilà. Alors, M. Ibrahim Koné, vous êtes celui-là qui est chargé de la logistique. Donc, sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, qu'est-ce qui est en train d'être mis en place pour le succès, pour la réussite de cette première édition, de ce premier tournoi de la représentation ici à New York? Merci, M. Germain. Tout d'abord, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Il y a longtemps que je n'étais pas revenu sur le plateau d'IvoireTV.net. Voilà. Au niveau de la logistique, pour parler de ça pour commencer, je dirais que même avant de venir ici tout à l'heure, le président et moi, nous étions dans la salle où se joue le indoor, le Maracana, pour mettre les équipes en place déjà pour le tournoi. Les équipes que nous avons sous la main, comme les équipes Fanion, qui vont représenter un peu notre communauté, et puis les équipes invitées. Donc tout ça déjà fait partie de la logistique. Voilà. La logistique, si je dois m'expliquer un peu, comment mettre en place même les maillots que les équipes vont porter, les trophées qui seront attribués. Voilà, nous discutons de ça en groupe avec l'équipe dynamique que le président a cité tout à l'heure. Voilà, nous discutons de tout ça en groupe et au suffrage universel, une décision est prise et voilà, tout le monde s'aligne et on fait que ce soit le choix des trophées, le choix du meilleur buteur, qu'est-ce qu'il faut donner à tel ou à un tel.
Voilà, il y a tout ça qui fait partie de la logistique. Alors, monsieur, je reste avec vous, monsieur le vice-président chargé de la logistique. Est-ce que vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, confirmer que vous serez fin prêt pour le 21 mai, pour que ce soit, je dirais, un événement qui va rester dans la mémoire des uns et des autres comme une encre indélébile? Oui, je peux l'affirmer, voilà, avec le groupe... les amis avec qui je travaille, tout le monde est en train de faire mains et pieds pour que ce premier tournoi soit une réussite. Alors, monsieur le Président, c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 2 ans que vous représentez la FIMADA ici au niveau des États-Unis et du Canada. Alors, quelle est la base de quoi vous avez eu l'idée de créer, d'organiser cette première édition? Et pourquoi maintenant? Ok, merci Monsieur Germain. Ça, c'est une très belle question. Il faut éclairer un peu l'opinion sur un peu nos activités que nous menons en ce moment. Ça veut dire que nous avons commencé à cela peut-être 2 ans. L'objectif, c'était de mettre une équipe dynamique en place pour l'organisation même du Maracana, ce qui n'a pas été chose facile. Mais je remercie le bon Dieu parce que nous avons une équipe dynamique. Vous-même, vous êtes témoin oculaire que l'année dernière, au cours du tournoi de Makori, on a apporté... tout ce que nous pouvons apporter sur le plan technique, même au niveau de la logistique, c'est avec tout notre matériel que l'équipe de l'organisation du tournoi de Makori a été mise en place. Donc ça veut dire que nous existons sur le terrain, nous avons tout ce qu'il faut, que ce soit les poteaux, les ballons, tout ce qu'on peut avoir comme matériel pour pouvoir pratiquer le Maracana, nous avons tout. Ce qui nous manquait, c'était d'avoir une salle en hiver. Vous savez que l'hiver est dur que l'été, donc il fallait avoir une salle. On s'est battu bec et ongles pour avoir cette salle. Dieu merci, on a pu avoir la salle grâce à la générosité d'un de nos frères africains, un Nigérian, qui est le vice-principal de cette école à l'Académie Frédéric Douglas où nos enfants vont à l'école. Donc on a pu avoir ça. Et maintenant, il fallait passer maintenant à la phase pratique. C'est ce que nous faisons. Il y a cela 6 mois, depuis le mois de novembre. Nous sommes en salle, nous jouons chaque samedi. Et partant de ce fait, j'invite toute la population à nous rejoindre, à venir jouer au Maracana. C'est une discipline qui est très très simple à jouer. Il n'y a pas trop de contacts. C'est le football un peu en miniature, quoi. Quand je dis en miniature, bon, c'est pas un grand espace. Donc, mais les vétérans comme vous, monsieur Germain, quoi, si vous pouvez venir, hein, des matchs de 10 minutes, 15 minutes, c'est pas horrible. Donc, je pense que c'est très important qu'on lance cet appel encore à toute la population new-yorkaise de nous rejoindre chaque samedi de 18h à 21h. Nous faisons nos activités et on ne va pas rester à s'entraîner. Il faut maintenant passer à une autre phase. C'est la phase maintenant des tournois, se frotter à d'autres personnes. Et on a juste nécessaire de faire un mini tournoi, une manière de quitter un peu la salle pour embraser maintenant le outdoor, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire les terrains à l'extérieur. C'est ce que nous allons commencer dans le mois de juin, c'est-à-dire en été, où il y aura d'autres tournois encore qui sont prévus. Ça, voilà, on va revenir un peu sur ces détails. Mais ce premier tournoi-là, c'est un test pour nous, un test pour montrer que nous avons notre propre tournoi à nous et nous voulons démontrer à tous ceux qui peut-être doutent de nous, bien comprendre que c'est une très bonne organisation, c'est une équipe dynamique. Et j'en profite de votre micro pour rendre hommage à tous nos collaborateurs qui n'ont pas pu venir ce soir, pour leur dire que nous sommes en train de faire du bon travail et on va démontrer à la face de tous les New-Yorkais que c'est une équipe dynamique qui est en place, qui travaille pour la communauté ivoirienne, pourquoi pas la communauté africaine. Et on lance un appel à tous nos frères africains de venir nous rejoindre, de venir voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que le Maracana. Et je sais que tout Africain a une idée de ce que nous sommes en train de dire. Donc ce tournoi-là, je pense que ce sera le déclic. Après, il y aura d'autres tournois. Il y aura le grand tournoi même international de New York que nous comptons organiser après le mois de Ramadan. Peut-être si vous me donnez l'occasion de venir expliquer un peu aux uns aux autres l'ampleur de ce tournoi et nos autorités seront invitées. Mais on va s'en tenir à ce tournoi du 21 mai qui est un mini tournoi en salle. Où il y aura 3 équipes locales, comme le disait le vice-président Ibrahim Koné. Et on va inviter 3 autres équipes qui viendront de Queens, de Connecticut, et il y aura une équipe de l'école, voilà, l'école qui nous a bien accueillis. Et on va faire un mini tournoi, une manière de célébrer un peu ces périodes que nous avons passées un peu en salle. Et je rappelle à travers votre micro que le Maracana cultive la convivialité, la fraternité et l'amitié. Ce sont les devises du Maracana et c'est ce que nous cultivons du côté de la 150. Donc nous invitons tous ceux qui veulent avoir un peu ce plaisir-là de venir nous rejoindre pour que le Maracana soit quand même une fête comme on aime si bien le dire à Abidjan. Voilà. Monsieur Ibrahim Koné, voilà, en dehors du cadre limité du Maracana, quels sont les autres principes du Maracana?
Parce que le président disait tout à l'heure que c'est sur un terrain réduit. Oui. Le Maracana développe un peu cet esprit de fraternité, de convivialité. Est-ce qu'il y a d'autres règlements de manière succincte comme ça du Maracana que vous pouvez partager avec nous? Comme vous l'avez dit, M. Germain, en dehors du terrain ou sur le terrain, dans la phase pratique, pendant que les joueurs se retrouvent sur le terrain, quels sont les règlements? Voilà, bon, dans la phase pratique, comme le président l'a dit tout à l'heure, ça se joue sur terrain réduit et sur terrain de handball. Donc il y a une zone, la zone où les handballeurs, où il ne faut pas entrer en handball avant de marquer, mais cette fois-ci c'est le contraire dans le Maracana. La zone, il faut entrer dans la zone avant qu'un but ne soit validé. Pour marquer un but dans le Maracana, vous allez shooter de loin. Il faut que le ballon descende dans la zone et puis rentre dans les poteaux. Et ça touche quelqu'un dans la zone avant d'entrer dans les poteaux. Il faut que, pour que le but soit validé, voilà. Et ou bien le joueur, vous avez dribblé tout le monde, vous entrez dans la zone d'abord avant que le but ne soit validé. Et maintenant, l'engagement pratique du Maracana, comme la zone de 6 mètres, le caromètre ou celui qui est le gardien en quelque sorte, quand il engage le ballon, personne ne doit être dans la zone à part lui et le ballon, et il a 5 secondes pour démarrer. Et le ballon ne doit pas dépasser, la première touche ne doit pas dépasser le centre du terrain. C'est comme un dégagement qu'on ne dégage pas dans le camp adverse avec la première touche. Il faut faire la passe d'abord sortie de la zone à quelqu'un qui vous remet avant que vous ne puissiez faire une passe transversale qui peut traverser le centre. Voilà. C'est bien, vous avez posé une bonne question. J'aimerais ajouter quelque chose un peu à l'issue de ce que M. Ibrahim Kone vient de dire. C'est-à-dire que c'est un peu de la théorie, voilà, c'est un peu de la théorie, mais vous savez, le football sur espace réduit, ça demande beaucoup de technicité. Il faut des joueurs qui sont doués techniquement, qui sont très intelligents. Donc le Maracana prend en compte les joueurs qui sont un peu à la retraite, qui ont beaucoup de maturité dans le jeu, qui ont un très bon placement. C'est un jeu vraiment de beaucoup d'intelligence. Il faut avoir beaucoup d'intelligence, un bon placement et moins de contacts. Le Maracana, ça il faut le dire, d'aucuns sont un peu hésitants, je peux leur donner la garantie qu'ils peuvent venir voir. Comme moi par exemple. Voilà. Il y a moins de contacts parce que toutes les petites fautes sont sifflées. Toutes les petites fautes sont sifflées. Le Maracana, c'est le jeu où il n'y a pas de contacts, comme au basketball. Oui. Et je vous rappelle que le Maracana prend en compte plusieurs disciplines. Que ce soit le basket, le handball, vous voyez qu'on retrouve un peu du football, du handball et du basketball dans le Maracana. Il faut rentrer dans une zone pour marquer, ce que M. Ibrahim Kone disait, qui s'apparente un peu au handball. Et au basket, c'est remplacement basket. Comme quoi, c'est-à-dire tu peux jouer, sortir, revenir encore, comme au basket. Donc ça remplit un peu tous les critères de ces trois disciplines et on parle de football au Maracana. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de football en miniature. C'est vrai, on va vous expliquer, peut-être d'aucuns ne comprendront pas, mais j'invite tous ceux qui sont encore, qui sont hésitants, qui ne comprennent pas, de venir voir la beauté de cette discipline qui a été créée par les Africains. Ça, c'est très important, il faut le signifier. Venez soutenir ce que l'Afrique a créé. Nous sommes des Africains, il faut être fier d'être Africain. Cette discipline-là, nous devons tous l'appuyer, la soutenir pour qu'elle puisse faire chemin aux États-Unis. Je me rappelle bien. D'aucuns me disaient que le cricket a été créé en Inde et aujourd'hui, le cricket fait partie des disciplines phares aux États-Unis. Pourquoi pas le Maracana? Nous sommes les ambassadeurs du Maracana aux États-Unis. On a été nommés par le président Bleu Charlemagne, auquel je rends hommage. Voilà, le président Bleu Charlemagne qui est aujourd'hui le président de la Fédération internationale des Maracana et disciplines associées. Donc le président Bleu Charlemagne aujourd'hui est ivoirien. Et l'année dernière, quand j'étais au Togo, nous sommes allés créer la Fédération internationale des Maracana. C'est la Côte d'Ivoire qui a été honorée. On a eu la présidence, on a eu le siège. Le siège sera construit très bientôt en Côte d'Ivoire avec un budget de 1 milliard de francs CFA. Monsieur Germain, ça peut vous dire, cette discipline-là est très sérieuse. Il va falloir qu'on prenne cela très au sérieux. Voilà. Voilà. Alors, merci bien. Je voudrais vous remercier. Voilà. Okay. Et puis, sachez tout simplement que ce tournoi de Maracana aura lieu le 21 mai à partir de 16h. Et c'est à la 150 sur la 7e avenue. L'école, rapidement. Voilà, c'est l'académie Frédéric Douglas sur la 7e avenue à la 150. C'est collé au sabouet du train 3. Donc, on invite tous ceux qui sont friands de beau football, qui aiment le Maracana, qui aiment le football en général, de venir nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons pour la diaspora, nous travaillons pour les Africains, pour la Côte d'Ivoire. Donc, on lance un appel à tous de venir nous soutenir et ils verront le beau spectacle, le beau football.
Et je vous remercie. Le spectacle est garanti. On prend rendez-vous pour le 21 mai à 16h à cette adresse donnée. Bonsoir, dormez bien, c'est Germain Kouassi sur le plateau des sports d'Ivoire TV. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Monsieur et on y sera. Ouais. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.